que tu as pensé faire du merch, Antoine? Ce n'est pas prévu. Ça fait, ça, là, en mars, ça va faire 11 ans que je me suis lancé sur Internet. Je n'ai pas vendu un seul truc en merch. En plus, si j'avais... Enfin, comme j'ai déjà dit, à l'époque où je faisais du YouTube, le merch de YouTuber, c'était vraiment une horreur. Visuellement, c'était un enfer. C'était horrible. C'était ultra laid. Tu regardes le merch des émissions de l'époque, mais ou des YouTubers de l'époque, mais c'est des trucs dégueulasses. Et ce que j'ai dit, c'est que j'ouvrirai peut-être cette boutique un jour, à la mode de l'époque, dans une dizaine d'années, pour que ce soit vintage. Et que les gens portent ça ironiquement. Pour plaire à tous nos amis citadins qui vont porter tout ça de façon ironique, à la manière des t-shirts Jacques Chirac qu'ils ont portés il y a 5-10 ans. À l'époque, admettons, j'aurais sorti un t-shirt à la mode de l'époque, il y aurait eu écrit What the Cut dessus, avec Super Richard qui vole, tu vois. Il y aurait eu ça, tu vois. C'était ce tiers-là, je veux dire. Ce tiers-là de merch de merde. Ça aurait été ce tiers-là. Et en plus, ça aurait été mauvaise qualité, ça aurait été... Tu le laves 3 fois, c'est finito, le truc est full décollé de partout, c'est de la merde. Vous voyez, vous voulez ce t-shirt, mais vous voulez ce t-shirt ironiquement. Mais vous le voulerez encore plus ironiquement dans 5-6 ans. Croyez-moi, hein. Faites-moi confiance là-dessus.